Ben, la raffinerie, c'était surtout le raffinage du sucre, mais du sucre qui venait des Antilles, du sucre de canne, hein, pas du sucre de betterave. C'était que du sucre de canne. Puis ça, on y tenait au sucre. Oui. On y tenait au sucre de canne. Donc les bateaux arrivaient au Quai Wilson, Oui. c'était ça. Et au début, moi, quand j'étais embauchée, donc c'était une voiture à cheval. Il y avait le cheval Julie. Et puis il y avait celui qui la conduisait. Ils allaient chercher les sacs de sucre là-bas, Quai Wilson, et puis ils revenaient donc Ouais. à la raffinerie. Ça n'allait pas très vite. Après, il y a eu des camions, je crois Oui, bien. des Alors, camions qui étaient originaux aussi, hein. oui. Et ensuite, ça s'est terminé par des wagons qu'on allait chercher à la gare de Chantenay. Il y avait donc une voie qui menait directement sur le quai chez nous. Et on déchargeait les sacs, ça allait beaucoup plus vite. Parce qu'ils ont créé un embranchement. Un embranchement particulier. Comme toutes les usines de Chantenay, il devait certainement avoir des embranchements partout. Le chauffeur, ben, il s'arrêtait souvent au café. C'était le cheval qui ramenait tout à la raffinerie. C'était typique. Oui. C'était typique. Mais on avait des bateaux aussi qui arrêtaient à Sainte-Anne, là, sur le quai des Salorges. Ah oui, qu'il y a Il y en des avait là. Salorges, il y en avait. Et comment c'était les bateaux? C'était les chargeurs réunis. Oui, Et puis la Transat aussi. on travaillait avec Senray, Oui. Et puis avec le Arrêté NKS oui. aussi, avec ces deux entreprises-là qui venaient. Il y avait tout C'était ça. le déchargement des bateaux durait quand même assez longtemps, plusieurs jours, hein. Parce que c'était pas comme maintenant, c'était à dos d'hommes, hein. C'était déchargé comme ça.